Bonsoir, bienvenue dans cette grande édition de la soirée. Avant toute chose, suivons les sommaires. La pluie a fait déborder le lit de la rivière Kimimi à Boutembo. Les eaux ont emporté maisons, objets de valeur et les riverains victimes ne savent plus où dormir. À Kinshasa, les responsables parents sensibilisent les jeunes pour lutter contre l'usage de la drogue appelée Bombé, qui du reste doit être proscrit, et les jeunes gens doivent se laisser guider par des valeurs positives qu'a du travail. Toujours dans le but d'attirer les investisseurs, après Ankara, le président de la République Félix Tshisekedi s'est rendu à Istanbul, une autre ville phare de la Turquie, les détails avec la presse présidentielle. Il est 17h passé de quelques minutes lorsque le président Recep Tayyip Erdogan sort de son palais pour accueillir son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui arrive sous escorte de la cavalerie de l'armée turque. Les hymnes nationaux des deux pays entonnés par la garde républicaine du pays hôte, suivis d'un bref passage des troupes en revue, le tout ponctué par 21 coups de canon tels que le veut la tradition ici. Après le faste à l'extérieur, place à l'intérieur pour continuer sur le même ton, celui de la solennité et du prestige. Il s'agit d'un tête-à-tête de plus d'une heure entre les deux chefs d'État. Après cette première étape, les officiels turcs et congolais rejoignent la salle pour une réunion conjointe, préparant ainsi la signature des accords bilatéraux entre les deux pays. Tout sera explicité devant les médias turcs et congolais lors d'une conférence de presse organisée pour la circonstance. Premier à prendre la parole, le président turc qui a exprimé sa satisfaction et il a renseigné à l'assistance que la République démocratique du Congo constitue un partenaire important pour la Turquie au regard de ses potentialités du sol et du sous-sol. Ce qui explique tout le sens des accords signés ce mardi 7 septembre entre les deux pays. Des accords qui mettent en exergue toutes les recettes possibles afin de faire progresser les relations économiques et commerciales entre la Turquie et la RDC. Actuellement, les deux pays ont des relations commerciales qui atteignent 58 millions de dollars. Le président Erdogan voudrait les porter à 250 millions de dollars d'ici quelques années. La RDC représente une réelle opportunité économique dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, l'industrie de la transformation et l'agriculture. Les deux pays ont signé trois accords commerciaux portant notamment sur la protection des investissements, la lutte contre la fraude, la non-double imposition et le tourisme. Les ministres turcs de l'industrie et technologie et celui de la culture et tourisme ont échangé des documents contenant la convention signée ce jour avec leurs homologues congolais, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre du tourisme, Mudeo Nsimba. Satisfaction pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa casquette de président de l'Union africaine. Le président turc a également loué les efforts de la République démocratique du Congo qui, selon lui, a démontré sa solidarité envers la Turquie dans le dossier de transfert de l'école Shafak basée à Kinshasa à la Fondation Maarif, un établissement scolaire de plus de 530 élèves turcs et congolais qui poursuivent paisiblement leur scolarité grâce à cette franche collaboration. Pour couronner cette symbolique entre les deux pays, le chef de l'État accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi était convié à un dîner d'amitié qui a clôturé l'étape d'Ankara avant de s'envoler pour Istanbul. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu une poignée de députés provinciaux qui sont venus lui soumettre leurs difficultés, entre autres l'impayement de leurs émoluments. Sylvain Kapombo-Bosengel nous en dit plus. Selon l'honorable Blanchard Takatela, élu de Bolungu et président du collectif,
qui s'est confié à la presse. À l'issue de cette audience, tous les problèmes que rencontrent les élus provinciaux ont été passés au peigne fin avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qui s'est par ailleurs montré très réceptif et qui a prêté une oreille attentive à toutes ces doléances auxquelles des solutions idoines ont même été envisagées. Si nous sommes venus voir le Premier ministre aujourd'hui, c'est pour au moins trouver solution aux problèmes des députés provinciaux. Lesquels problèmes? C'est le problème des arriérés, le problème d'installation, le problème de la session inaugurale et surtout l'épineux problème, celui de notre insertion dans le budget national. Nous avons été reçus par les ministres sectoriels, je dirais des finances, des budgets. On a conclu par dire qu'on ne pouvait pas s'arrêter à eux, il faut aller directement voir le Premier ministre puisque c'est lui qui engage le gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus les voir et il n'était pas seul, il était accompagné de son ministre d'État, ministre des budgets. Celui des finances s'est excusé, mais néanmoins, dans notre causerie, tout s'est bien passé. Il a été d'une oreille très très attentive au cri d'alarme des députés provinciaux. Et même ses réponses étaient même très satisfaisantes puisque du coup, il demande déjà qu'il y ait un petit noyau de suivi de tout ce que nous lui avons dit. Déjà, cette équipe se mettra au travail avec les ministères du budget pour voir comment les choses vont évoluer très rapidement afin que la dignité et l'honneur des députés provinciaux soient retrouvés avant même que nous puissions regagner nos assemblées provinciales, a déclaré en substance le président du collectif des députés provinciaux. En mission officielle dans les Hauts-Katanga, la ministre de Mines, Antoinette Sambakalambaye, a rencontré les DG de la GK Mines. Au cœur de leurs échanges, la relance de son entreprise qui autrefois fut un géant minier. Suivez. Jadis, la générale de carrière de Mines faisait la fierté de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, cette entreprise minière n'est plus que l'ombre d'elle-même. Voilà qui justifie la trame des échanges entre la ministre de Mines et le DG ad intérim de la GK Mines, une réunion qui aura duré plus de 2 heures autour d'une table avec des acteurs impliqués dans ces secteurs. Soucieuse de la relance de cette entreprise publique qui, autrefois, fut un géant minier, Antoinette Sambakalambaye se souvient de cette belle époque et s'est dit déterminée pour sa relance. Nous avions échangé sur les potentialités que la GK Mines a aujourd'hui pour être relancée, afin qu'elle puisse redorer son blason d'hier. Car la GK Mines, parce qu'elle voudrait aujourd'hui faire la prospection pour pouvoir certifier ce qui lui reste comme réserve. Nous avons aussi échangé sur les JV que la GK Mines a signé avec certaines entreprises. Une démarche du reste saluée par Tambwe Ngoy, DGAI de la GK Mines. C'est vraiment une très grande joie pour nous de recevoir notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Mines. Nous espérons un support, un accompagnement. C'est comme ça que nous avons été très clairs avec Madame la ministre, pour qu'ils puissent comprendre nos difficultés de manière à pouvoir nous défendre auprès des instances supérieures. Cette réunion a connu la participation du directeur de cabinet de Madame la ministre, du secrétaire général aux Mines et des différents responsables de services spécialisés du ministère de Mines. Une journée très chargée pour Antoinette Sambakalambaye qui a procédé ce mercredi 8 septembre 2021 aux travaux en atelier de Litié. Elle a par la suite visité quelques entreprises minières de la ville cuprifère. C'est ce mercredi 8 septembre à Pullman Caravia que la ministre de Mines, Antoinette Sambakalambaye, a procédé au lancement de travaux en atelier sur le rapport assoupli de l'initiative relative à la transparence des industries extractives République démocratique du Congo et de l'auto-évaluation de la mise en œuvre du processus ITIE en RDC. La cérémonie a eu lieu en présence du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Confoy, qui a salué cette initiative. Le numéro 1 de Mines a pour sa part précisé le fait que ces travaux rencontrent la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à instaurer une gouvernance responsable, inclusive et plus attentive aux préoccupations de tous les acteurs impliqués dans l'exploitation des ressources naturelles.
après le lancement de travaux de l'ITIE, place à la visite des entreprises minières. De Chemaf à Ouachi Manning, en passant par Somika, Madame la ministre a tout de même fait un constat amer. Nous avons tenu à voir un peu comment ils utilisent la procédure au sein de leurs entreprises par rapport à l'hygiène, à la santé ainsi qu'à la protection environnementale. Nous avons visité l'usine Chemaf. Nous avons constaté que tout ce qui se met dans des colis, le produit, la cathode de cuivre comme l'hydroxyde de cobalt, qui est mis dans de grands sacs, il n'y a pas d'emblème de la RDC. Donc c'est comme si nous exportons des minéraux congolais sans que la RDC quelque part ne soit responsable. Nous sommes en train de voir comment mettre en place l'initiative de traçabilité de produits cuprocobaltifères. À en croire Antoinette Samba Kalambay, le CSC sera mis en contribution pour résoudre ce problème lié à la traçabilité de minéraux de la RDC. Jusqu'à présent, le premier président de la haute cour militaire, le lieutenant-général Joseph Mutombo Katala Etiende, a présidé, comme à l'accoutumée, le premier lundi de ce mois de septembre, la parade générale. Trois points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment celui relatif au port de grade par les militaires supérieurs, promis au grade supérieur par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Sylvain Kapombo Sengele, pour la suite. Cette parade générale de lundi 6 septembre 2021 est celle qui a réuni les magistrats et les auxiliaires de la justice militaire. Elle a été présidée par le premier président de la haute cour militaire, le lieutenant-général, magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende. A tout seigneur, tout honneur, dit-on, la dite parade a débuté par la prière, la louange et adoration, question de rendre grâce au créateur du ciel et de la terre. Puis est venu le partage de la parole de Dieu, exhortation faite par l'aumônier militaire. Les moments tant attendus a été l'adresse du numéro 1 de la justice militaire RD congolaise. Le lieutenant-général Mutombo Katala Etiende Joseph a axé son allocution sur trois points, notamment celui relatif au port de grade par les éléments nouvellement promus au grade supérieur au sein des FRDC. Va reconnaître grade, tout va notifier bateau pour balata grade. Parce que ça a un inconvénient. Yo, va émission aux 8 grades, pour l'acte. Mais ma boussou, moutouana, a écoïe du salon, à cause. Ma boussou, patanga qui biente. Ma boussou, soupe, et ça y est, mais ça moutou moussou. Alors, c'est ainsi que. Règlement et Senga qui te souki, nan ou va reconnaître au grade dans l'hôtel, kola ta tête. Mais tous ont constaté que la tunion se balade. C'est bien, mais c'est à vos risques et périls de Nalobay. Parce que son Nalobi, nous l'avons là, au Bokansa, tous ont contre grade dans l'hôtel. Cette rencontre a été aussi une occasion pour les patrons de la justice militaire de répondre à certaines préoccupations des auxiliaires de la justice militaire. Tout est bien qui finit bien, un cocktail a sanctionné cette parade. Nous retenons encore Sylvain Kapombo Sengele qui nous apprend que la chambre numéro 1 de la haute cour militaire présidée par le lieutenant général magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende a tenu le mardi dernier son audience dans l'affaire générale des brigades Germain Katanga et consorts. Les prévenus sont poursuivis pour trois préventions, à savoir crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Après une période de suspension, l'affaire opposant l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire au prévenu général de brigade Goda Supa Emery et consorts a refait surface le mardi 7 septembre 2021 devant la haute cour militaire. Au total, 7 prévenus, dont 5 militaires et 2 civils, sont poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel, lesquels faits ont été commis en Ituri. D'entrée de jeu, les premiers présidents de la haute cour militaire a procédé à l'appel des prévenus en vue de s'y rafraîchir les mémoires à propos de leur liste des témoins. Ces derniers ont soutenu qu'ils envisageaient plutôt de les déposer. Et la recommandation du premier président de la haute cour militaire
à l'endroit des partis. Déposez vos listes avant samedi, de manière à ce que la semaine prochaine, la Haute Cour puisse prendre ses dispositions, parce qu'il faudra nécessairement prendre une décision par rapport aux modalités d'audition de ces témoins. Et on doit le faire par un avant-dîner. Donc c'est mieux que vous puissiez déposer vos listes avant samedi pour que le ministère public, on communique cela au ministère public et que le ministère public aussi vous communique ces listes, de manière à ce que vous ne soyez pas surpris lorsque on aura à débattre de toutes ces déclarations. Et d'ailleurs, la loi vous donne la possibilité de refuser l'audition d'un témoin. Cette cause a été renvoyée à mardi 14 septembre 2021. Santé à présent, l'épidémie de méningite a été déclarée au nord-est de la République démocratique du Congo où 129 décès ont été enregistrés, a indiqué dans un communiqué ce mercredi 8 septembre 2021 le bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, Patrice Bassoy, pour les détails. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des tests de confirmation menés par l'Institut Pasteur de Paris ont détecté Neisseria meningitidis, une des bactéries causant la méningite la plus fréquente et qui peut potentiellement provoquer de vastes épidémies. Cette flambée épidémique survient dans la région de Banalia. Un comité de riposte y a été mis en place, ainsi qu'à Kisangani dans la province de la Tchopo. La méningite est une maladie difficile à détecter car ses premiers symptômes comme le maux de tête ou la fièvre sont similaires à ceux d'autres maladies courantes. Elle se transmet par les gouttelettes de sécrétion respiratoire ou pharyngées de personnes infectées. Un contact étroit et prolongé ou la cohabitation étroite avec une personne infectée facilite la propagation de la maladie. La méningite laisse souvent des séquelles irréversibles dont la surdité et un retard mental chez les enfants. Il est conseillé de faire vacciner les enfants dès le jeune âge pour le protéger contre les infections pouvant être responsables de méningite, méningocoque, pneumocoque et haemophilus B. Mais aussi, les mesures d'hygiène sont, se laver les mains fréquemment, porter un masque, ne pas partager des aliments, boissons, brosses à dents, cigarettes, rouge à lèvres, etc. Dans les lieux publics, comme les écoles, laver les surfaces communes, surtout les toilettes avec de l'eau de Javel. Et aussi, adopter un mode de vie sain afin de ne pas affaiblir le système immunitaire. Traiter les infections de voies respiratoires et les otites de jeunes enfants dès qu'elles se présentent. Dans le passé, des épidémies de méningite ont déjà survenu dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. En 2009, une épidémie à Kisangani avait fait 15 morts sur 214 cas. Santé, à présent, on parle de la drogue bombée qui détruit bon nombre de jeunes. La sensibilisation se poursuit, mais les esprits avertis estiment que l'État doit s'impliquer dans la canalisation des énergies de la jeunesse, par exemple, les occuper utilement par le travail pour mettre fin à ce phénomène. Patrick Borel-Mokendi et Florine Ngamukono. La société congolaise connaît une crise multiforme. Pour noyer leur peine, certaines personnes recourent à la drogue et d'autres à l'alcool. Les institutions et plusieurs autres structures condamnent l'usage par des sensibilisations. En traitant, la souffrance ne faiblit pas. À Kinshasa particulièrement, les bonnes âmes ont été surprises de constater l'usage de la drogue dite bombée, fabriquée à base des résidus des tuyaux d'échappement, des véhicules et d'autres substances. Cette drogue fait perdre connaissance à son consommateur et les maintient presque immobiles. Et l'on parle de bombé. D'après ce que nous voyons aussi chez certaines personnes, certains jeunes qui en consomment, on voit que ça leur tourmente, ça leur fatigue, ça ne leur donne pas la force de créer même quelque chose. Ils sont un peu... ils deviennent faibles directement. Bon, je ne sais pas vraiment les effets, mais c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la consommation, comme les jeunes le font, quoi. C'est pas vraiment... Nous avons circulé dans les rues de Kinshasa
et tous les jeunes interrogés sont contre l'usage des bombés, mais curieusement, les victimes de cette drogue sont aussi nombreuses parmi cette catégorie d'âge. Vraiment, c'est quelque chose qui va provoquer à la longue des maladies et qui va même amener d'autres personnes à la mort. C'est ce que je sais. Mais ce n'est pas quelque chose que les jeunes devaient apprendre, c'est quelque chose qu'on devait vraiment éviter. Et l'État devait vraiment en prendre en charge notre jeunesse pour ne plus permettre à ces gens-là de consommer ce genre de drogue. Vraiment, c'est quelque chose qui tue, quoi. Ça détruit notre jeunesse. Si l'État est animé de bonne volonté, le gouvernement doit créer des conditions favorisant la création d'emplois pour occuper les jeunes gens et leur éviter ce spectacle de mauvais goût. Rendons-nous dans la province du Nord, Kivu, pour dire que le lit de la rivière Kimimi a débordé à la suite d'une pluie diluvienne. Mais hélas, à son passage, il a emporté maisons et objets de valeur. Francine Moussoua. Il est 10h de ce mercredi 8 septembre, ici à Londo. Il y a 12 heures passées, tout cet endroit a été plongé dans l'eau à cause du débordement de la rivière Kimimi. Des maisons d'habitation sont érigées d'un autre côté et de l'autre, les lots de cette rivière. La pluie qui avait commencé à 15h de ce mardi 7 septembre a surpris toute cette famille loin de son domicile. Revenu aux environs de 18h, il était déjà trop tard. Tous les biais de la maison étaient déjà plongés dans l'eau. Le ménage continue, mais ses assiettes traînent encore dans la boue. Pas loin de là, cette autre maison dont la fondation a été emportée par l'eau débordante de la rivière et l'érosion. À l'intérieur de cette maison, c'est un véritable dommage. Cette pièce et les salons, mais voici ce qu'il en reste. Sa propriétaire se souvient encore du début de l'inondation. Naïko bien. Ah. Mes clients prenaient des verres ici au salon dans la quiétude et subitement quelqu'un jette de la pierre sur le toit pour nous faire signe qu'une partie de notre maison était déjà dans la rivière, rongée par l'érosion. Et quand nous avons attiré l'attention, la porte était sur le point de se déchirer. Mais là, on se demande où on peut encore aller. Si c'est la mort, c'est ici qu'elle nous rencontrera. Dans cette parcelle, l'eau signale des pertes énormes et des biais des valeurs partis avec l'eau de la pluie qui avait rempli l'intérieur de cette maison. La propriétaire de la parcelle regrette sa taxe parcellaire emportée par l'eau de l'inondation. Dans cette autre parcelle, ces trous de toilettes est resté à ciel ouvert et des murs de maisons sont fissurés. Ces femmes riveraines de Kimimi sont inquiètes étant donné que la saison pluvieuse est en cours. Elles appellent les autorités urbaines à penser des plans pour les mettre en sécurité contre les dégâts de la pluie. Nous n'avions jamais assisté à une telle pluie auparavant. Elle a emporté nos biens. C'est très étonnant. Et au même moment, on était avec nos enfants. Nous ne savions même pas où les amener pour les mettre à l'abri de tout ça. Nous nous sommes décidés alors de rester ici. Nous n'avons nulle part où aller. C'est aussi une manière d'appeler nos autorités à penser à nous qui sommes riverains. On ne peut supporter d'habiter dans un tel endroit. Imaginez qu'on a finalement abandonné nos maisons pour aller dormir chez nos amis qui sont là à l'évêché. Avant, il pouvait pleuvoir, mais pas jusqu'à emporter nos biens. Alors, sans chemin de fer, le Congo ne vaudra pas un franc. La phrase est restée célèbre. Elle est de l'explorateur Henry Morton Stanley. Lors de son passage à Boma, il avait passé deux nuits dans un baobab géant devenu célèbre aujourd'hui. Suivez. C'est merveilleux. Elle est considérée comme la première capitale du Congo belge par Vivi. La ville portuaire de Boma aligne une trentaine de sites touristiques qui méritent d'être visités. De toutes ces merveilles de l'histoire de la République démocratique du Congo, les baobabs de Stanley est emblématique au point de rester en pole position. Le voici en image réelle sur l'avenue qui longe le célèbre port de Boma. C'est dans ces baobabs creux qu'Henri Morton Stanley avait trouvé un abri. Ces baobabs chargés d'histoire et âgés de 700 ans aujourd'hui et s'imposent de par sa taille que par ce qu'il dégage comme réputation historique. Ça c'est un baobab creux, pourquoi creux? Vu que vous voyez à l'intérieur, c'est pour ça qu'on l'appelle le baobab creux. Mais lui, Stanley a passé des nuits ici à l'intérieur.
de nuit. Et puis sa porte est montée au-dessus, mais ce trou est encore plus bas. Donc lui installé entré par là, et puis ressorti par là. Et puis cette porte-là, c'est artificielle, créée par l'État congolais pour permettre aux gens de s'entrer à l'intérieur. Mais c'est mal lui qui est allé, qui a passé deux nuits à l'intérieur, mais les esclaves ont dormi à l'extérieur. Parce qu'ils ont dû faire arriver à quelques mètres de l'arbre, et puis son canon est accosté là dehors. C'est mal lui qui s'est reposé ici, à l'intérieur pendant deux nuits. Élément de curiosité, les baobabs de Stanley est selon ses guides touristiques visité aussi bien par les Congolais que les étrangers. Mais ils n'arrivent à engranger environ que 200 000 francs congolais le mois. Pour les jeunes générations, la question saute vite aux yeux. Que recherchait Henri Morton Stanley déjà à cette époque jusqu'à approcher ses baobabs? Son objectif était de découvrir la source du fleuve Vinine. Le Stanley est arrivé par et venu par l'océan Indien. Il est arrivé à Bouma le 9 août 1877. Mais à l'époque, en 1877, la ville de Bouma n'existait pas encore. Mais il y avait seulement un petit village qui était à quelques kilomètres d'ici. Des autochtones vivaient là-bas. Et puis le port de Bouma n'existait pas à l'époque. Les eaux du fleuve arrivaient à quelques mètres de cet arbre. Et quand on a construit le port, on a repoussé en arrière pour la profondeur du port. Bouma, la ville portuaire, compte environ 31 sites touristiques à visiter. Celui-ci, c'est le baobab de Stanley, où avait vécu l'homme pendant deux jours. Henri Morton Stanley était d'origine anglaise, mais naturalisé américain. Cet endroit mérite d'être visité en famille et comme par d'autres personnes qui pourront visiter le coin. Depuis Bouma, Eric Izami pour Antenne A. Suivons à présent notre rubrique Actualité vue par les autres, présentée par Michel et Patti Boumsi. L'actualité, c'est plus la déclaration de des laïcs catholiques SCC qui demande au président de l'Assemblée nationale d'être à l'écoute de la sagesse, remettre la question de la désignation des nouveaux animateurs de la CENI aux confessions religieuses afin qu'il y ait un consensus, voulais-je dire. Et c'est là, c'est plus pour pérenniser la paix. Alors, il y a aussi ce qui concerne l'état de siège, où trop de morts à l'est, tant qu'il y a état de siège. Alors, nous avons juste une demande au président de la République qui a la volonté qu'il y ait une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo, de faire tout afin que le programme DDRS puisse être un programme réel sur terrain et assainir même ce personnel-là qui travaille pour que sa vision soit une vision efficace. La sécurité bat son plein en République démocratique du Congo, précisément la capitale, où le gouverneur Gentiline Kabila, qui veut toujours trop parler pour peut-être ne pas vexer les mots, le terrain, ça pose problème. Quel est le rôle des sociates à Kinshasa? Merci Jean-Michel Mapella pour cette rubrique. Faisons le tour des actualités avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En Guinée, les putschistes qui ont renversé le président Alpha Condé ont libéré mardi un premier groupe de dizaines d'opposants au régime déchu. Le pays attendait mercredi matin les premières décisions d'un sommet de la CDAO sur la prise du pouvoir à Conakry par les militaires. Au Nigeria, plus de 40 personnes ont été kidnappées par des hommes armés dans le nord-ouest du pays, près d'une zone où l'armée a mené des frappes aériennes et des opérations contre des groupes lourdement armés. Ces groupes, appelés localement bandits, kidnappent les habitants pour obtenir des rançons. En Éthiopie, au moins 125 civils ont été tués par des rebelles tigréens dans un village de l'Amara, région du nord de l'Éthiopie, gagné ces derniers mois par le conflit qui fait rage aux Tigrés voisins, ont indiqué mercredi des médecins. Au Cap-Vert, la Cour constitutionnelle a autorisé mardi l'extradition vers les États-Unis de l'homme d'affaires colombien Alex Saab, un proche du président vénézuélien Nicolas Maduro. Accusé de blanchiment d'argent, M. Saab, 49 ans, est accusé par les États-Unis dans le détournement de l'aide alimentaire destinée au Venezuela. Nous tendons vers la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, suivez d'abord ce rappel de titre.
La pluie a fait déborder le lit de la rivière Kimimi à Boutembo. Les eaux ont emporté maisons, objets de valeur, et les riverains victimes ne savent plus où dormir. À Kinshasa, les responsables parents sensibilisent les jeunes pour lutter contre l'usage de la drogue appelée Bombay, qui du reste doit être proscrit, et les jeunes gens doivent se laisser guider par des valeurs positives qu'a du travail. Voilà qui met complètement un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous demain à 7h30, 10h, 12h avec Patrick Borel Mukendi. Et puis 16h juste pour le camp de Lingala, Lydia Elambo. À 19h, vous retrouverez Papi Katassi. Moi, je vous retrouverai le samedi à 19h. Excellent suite de programme sur la chaîne des références. Au revoir.